Il existe même trois filons différents qui se réfèrent à la figure de Saint Magne. Selon une tradition, ce serait un évangélisateur local, compagnon de Saint Dalmas. Les fresques sur les parois de la chapelle allemande le représentent comme un martyr de la Légion thébaine. Enfin, une tradition plus récente fait référence à un moine suisse descendant de Saint Colomban. Cette multiplicité de traditions est soutenue par la présence de la statue du XVIIIe siècle du saint comme Thébain, à côté de celle du moine, sculptée par Beppe Viada en 1991.